Salut la team, j'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un entraînement intense qui brûle un max de calories et qui va vous faire oublier le confinement. Alors ne bougez pas, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien et que vous avez un max d'énergie. On en reparlera à la fin. Alors pour cet entraînement, vous allez avoir besoin d'un tapis, de poids ou d'haltères, ou si vous n'avez pas ça chez vous, un sac à dos que vous allez remplir avec des livres, des conserves, des bidons de lessive, tout ce que vous avez qui va pouvoir vous permettre d'avoir une charge assez conséquente à soulever. Vous allez avoir besoin d'une paire de baskets, s'il vous plaît, ne vous entraînez pas sur ce genre d'entraînement en chaussettes, d'accord? Et vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau. D'abord on s'échauffe et ensuite on fait le training ensemble, comme ça vous allez pouvoir me voir souffrir. Je sais qu'il y en a qui attendent ça. On est parti. Pour s'échauffer les amis, c'est simple, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 4 exercices et 3 tours à faire. Je fais tout avec vous, on commence avec les sit-ups. Serrez les pieds, on envoie les bras loin derrière et ensuite on les jette en avant, d'accord? On engage les abdos, 20 secondes de travail. 3, 2, 1, let's go. Allez, on se met en route tranquillement. Serrez les abdos, servez-vous des bras. Seulement 20 secondes de travail. Et on relâche. Demi-tour. On s'installe ensuite pour des pompes. On va relâcher la tension en bas. Allez, 3, 2, 1, let's go. On descend, on relâche, on repousse. Abdos serrés. On enlève les mains, on repousse. Vous pouvez les faire sur les pieds hein, si vous en avez envie. Et on relâche, parfait. On va venir faire un tout petit peu de mobilité au niveau des hanches. Ok, pour que ce soit plus facile sur les mouvements qu'on verra ensuite. C'est parti. Un grand pas en avant, je tire la hanche vers le bas et je reviens. Un grand pas en avant, même chose. Et vous pensez à souffler et ça doit tirer ici sur les muscles fléchisseurs des hanches. On relâche, on s'installe, position de squat. Vous cherchez à descendre les fesses vraiment en dessous de la ligne des genoux. 3, 2, c'est parti. Allez, 20 secondes de travail comme ça. Je pousse mes genoux à l'extérieur. Je garde mon poids du corps sur mes talons. Allez, je souffle vers le haut. Et on relâche, on repart depuis le début avec les sit-ups. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup toujours. Allez, c'est parti. On relâche, on s'installe, push-up en relâchant. Vous pouvez le faire sur les genoux ou sur les pieds, d'accord? Allez, 3, 2, 1, let's go. Plantez bien les orteils si vous êtes sur les pieds, serrez les cuisses. Et on relâche. Allez, récupère. Ouverture de hanche. Tirez bien les hanches vers le bas et les épaules vers le haut. Allez, c'est parti. Là, grandissez. Essayez vraiment d'aller chercher dans deux directions opposées. Allez, grand pas devant. Et on relâche. Parfait. Squat. Pour finir notre deuxième tour d'échauffement. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Commence à mettre un peu d'intensité. Super. Allez, je descends les fesses. Je garde mon dos droit. On sort les pecs.
et on respire. Et stop. Allez, dernier tour. Sit-up. Essayez d'envoyer un max de répétition maintenant pendant ces 20 secondes. Allez, go. Allez, super. Respirez. Et on relâche. Push-up. Sur les pieds ou sur les genoux. C'est parti. Allez, deux exos pour terminer. La température, normalement, elle commence à monter. Allez, c'est parti, go. Allez, super, hein. On tire. Ça nous facilitera la vie sur deux mouvements qu'on va avoir. Et on relâche. Squat pour finir. Allez, toujours le bon écartement et le plus de reps. Go. Allez, encore, encore. 10 secondes. Et stop. Yeah. Maintenant que l'échauffement est terminé, buvez un coup et je vous explique la séance. On va avoir 10 minutes de travail intense où vous allez devoir faire le plus de tours possible des 3 exercices que je vais vous proposer. Premier exercice à faire, des sit-up, 10. Deuxième exercice, down-up, 10 aussi. Vous allez devoir vous allonger par terre et vous redresser sans sauter à l'inverse du burpees. Et enfin, dernier mouvement, celui où vous allez avoir besoin de votre charge avec le sac ou avec les haltères, des thrusters. 10 aussi. Le thruster, c'est un squat avec votre poids ici devant, tenu dans vos mains, un squat combiné à un développé au-dessus de la tête. D'accord? Je descends suffisamment les fesses et je tends mes bras en plein quand je remonte. 10 sit-up, 10 down-up, 10 thrusters. Et le plus de tours possible pendant 10 minutes. Attention la team, je vous attends au tournant. Je vais prendre 10 kilos sur les thrusters. À vous de faire mieux. Allez, bonne chance, on part dans 15 secondes. Allez, go. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. We'll be right back.
Thank you.
Je vais vomir, les gars. C'est sûr. Voilà, les amis. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était chaud. J'ai fait 5 tours. Je suis dans le 6e avec 7 thrusters, si mes comptes sont bons. Donc, c'est cool, mais un peu frustré, pas avoir fini 6e tour. Mais c'est pas très grave. Ça me donnera l'occasion de le refaire et de m'améliorer. Si ce genre d'entraînement vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime pour qu'on en refasse assez régulièrement. Si vous aimez me voir souffrir aussi, notez-le dans les commentaires, sinon j'arriverai toujours, toujours à trouver un moyen pour m'échapper. On se retrouve demain avec une vidéo un tout petit peu différente, un peu spéciale, mais super fun. Donc soyez au rendez-vous et d'ici demain, prenez soin de vous, entraînez-vous et n'oubliez pas, on sera ensemble jusqu'au bout. Oh putain, ça arrive. On la garde celle-là, je sens qu'on dit un truc. Ciao ma team.